merci pour ce jour que tu as préparé depuis la fondation du monde. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu vas encore opérer ce matin en ces lieux. La Bible me dit que dans leur détresse, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ce matin, je vais m'effacer afin que tu glorifies Jésus. Ce matin, je vais m'effacer afin que seule la gloire revienne à toi. Ce matin, je vais m'effacer afin que la vie soit accordée à celui qui m'entend. Toi, le Dieu de Mbi et Moulaya, glorifie ton nom, affermis les vies, convertis les hommes, accorde la grâce, fortifie et conscientise ce matin. Et les saints disent Amen. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur qui a permis que nous soyons là ce matin. Je crois pertinemment que dans son programme, il voulait que nous soyons là. Depuis l'éternité, il connaissait ce jour. Et s'il nous a permis d'être là, ça veut dire qu'il y a une vie qui doit être bénie au travers de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous lirons Genèse chapitre 2, le verset 15. Dieu m'a mis à cœur de donner un message de sagesse, un message de conscience ce matin. Que quelqu'un prépare son cœur à recevoir cette grâce venant de l'Éternel. Je disais Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Pour ceux qui écrivent, psaume chapitre 127, le verset 2. En vain vous levez-vous matin. Non. En vain vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. C'est la parole de Dieu. Dieu prit l'homme le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler du Dieu de l'établissement. L'établissement est un positionnement. Quand on dit Dieu établi, en d'autres termes, Dieu positionne. Le Dieu de l'établissement est un Dieu de possession. Dieu peut établir dans un foyer, quand je dis foyer, dans un mariage. Dieu peut établir dans une nation. Dieu peut établir dans une société, dans une entreprise. Dieu peut établir dans une église locale. Dieu peut établir dans ton école. Dieu peut établir, Dieu établit, ça veut dire qu'il positionne. C'est Dieu peut prendre un locataire et faire de lui un propriétaire. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Ça veut dire qu'il prend de point A pour poser au point B, C, D comme vous voulez. Amen. C'est celui-là le Dieu qui établit. Dieu ne commencera pas à établir à partir de toi et de moi. Non. Dieu a établi depuis la fondation du monde. Et je veux même insister que Dieu nous a établis, nous n'étions pas encore nés. À l'exemple de Jérémie, il dit « Tu n'étais qu'une masse informe ». Je te connaissais. Alléluia. Amen. J'étais consacré. J'étais établi.
Ça veut dire, Jérémie n'est pas établi lors de sa naissance ou quand il a grandi. Jérémie a été établi étant une masse informe. Balance la main parce que je commence mon enseignement. Mais le Dieu qui nous établit, c'est Dieu qui nous établit, c'est lui qui est le Dieu de l'établissement. Nous avons dit, tu ne peux pas bénéficier de l'établissement et vivre cette gloire si tu ne connais pas ce Dieu-là qui établit. Alors nous avons dit premièrement que ce Dieu, pour te rappeler toi qui n'étais pas là, le Dieu qui établit est un Dieu jaloux. Il t'établit dans l'église, il t'établit dans un mariage, il t'établit dans une nation. Ce que tu dois savoir, il a dit à Moïse, lorsque vous arriverez au lieu que j'ai préparé pour vous, ça veut dire la nation, ça veut dire le pays de votre établissement, n'imitez pas, ne marchez pas, n'adorez pas le Dieu que vous trouverez là-bas. Il dit, car je suis un Dieu jaloux. Quand Dieu t'établit, bien-aimé, dans l'église locale, dans ton foyer, partout où tu es, je voulais rappeler à tout le monde, nul ne sait qu'il est parce qu'il est fort, parce qu'il est saint, parce qu'il est je ne sais pas comment. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Je ne prêche pas l'évangile de Jésus parce que je suis intelligent. Il y a de plus intelligents que toi et moi. Tu n'es pas marié parce que tu es le plus beau. Tu es la plus belle. Il y a de plus beaux et de plus belles que toi qui ne se marient pas. Ça veut dire ce que tu es, ce que je suis, c'est par la grâce. Alors si c'est Dieu qui t'a fait grâce, d'être établi, d'être ce que tu es. Tu dois savoir que Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Ça, c'est ce que nous avons enseigné, je ne reviens pas. Au-delà qu'il soit jaloux, le Dieu de l'établissement est un Dieu saint. Amen. Troisièmement, il n'est pas seulement saint, il est éternel. L'homme peut t'établir, mais l'homme peut passer. Celui qui t'a établi quand il n'est pas là, ton établissement chancellera parce qu'il n'est plus là. Quand Dieu t'établit, donnez-moi un bon son pour ne pas... Quand Dieu t'établit, lui, il ne passe pas. Comme il ne passe pas, ce Dieu-là fera de tout son mieux pour que le trône qu'il t'a donné dans le lieu que tu es ne chancelle pas. Et je disais la semaine, on ne combat pas celui que Dieu a établi. Combat tout le monde, sauf celui que Dieu a établi. Donnez-moi un son filtré pour ne pas me permettre de me forcer. Je sais comment gérer mon son. Balance la main comme ça, s'il te plaît. Amen. Amen, amen, amen. Le Dieu qui établit, il est éternel. Quand Dieu m'a établi, je dors en paix. Dans ce mariage-là, parce que c'est Dieu qui m'a établi là. Je dors en paix. Dans cette société-là, parce que c'est Dieu qui m'a mis là. Je dors en paix dans l'église de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a envoyé là. Mais quand c'est l'homme, l'homme peut disparaître. Et quand l'homme disparaît, celui qui vient fera ce qu'il pense. Regarde quelqu'un qui est à tes côtés, dis-lui, on ne combat pas tout le monde. Mais ce matin, je suis venu avec un message.
le Dieu de l'établissement. Il n'a pas commencé à établir à partir de toi et de moi. Alors nous devons prendre l'exemple de ceux qu'il a établis. En premier, Adam. Dieu prit l'homme, poussière, ça il faut le noter. Inutile, faut le noter. Rien, faut le noter. C'est Dieu qui le prend de la poussière. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est ce que nous étions. Amen. Dieu prit l'homme, il enlève de la poussière, il le forme, il le prend, la Bible dit, il le place dans le jardin d'Éden. Amen. Quand il le prend ici pour le placer, c'est ça l'établissement. En d'autres termes, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Mais pourquoi? Vous parlez français mieux que moi. Dieu le prit, le plaça pour, c'est une raison. Pour, c'est l'objectif. Pour, c'est pour le but. Pourquoi Dieu le place? Pourquoi Dieu l'établit? C'est pour cultiver, en d'autres termes, travailler. Dieu ne m'établit pas. Dieu ne t'établit pas pour que tu frappes la poitrine, pour que tu marches dans les rues de Belgique et dire « moi je suis marié, moi je suis pasteur, moi je suis ceci ». Non, quand Dieu t'établit, ce n'est pas pour t'enfler d'orgueil, mais quand Dieu t'établit, c'est pour le travail. Quand Dieu établit l'homme, ce n'est pas pour des cris. Ce n'est pas pour se faire voir. Quand Dieu établit dans le mariage, dans la société, dans la nation, là où tu es, dans l'église de Dieu, partout où Dieu t'établit, c'est pour cultiver. Les gars, quelqu'un dit lui, il s'agit du travail ici. Les blabla ne font absolument rien. Dieu prit l'homme, poussière, inutile, ne connaissant rien. Mais il le prend, il le place, il l'établit, il dit pour travailler. On va y arriver. Aujourd'hui, lorsque Dieu te place, qu'est-ce que tu deviens? Tu es dans ce mariage-là. Tu es dans cette société-là. Tu es dans l'église de Dieu. Ce ne sont pas les bruits qui font l'homme. C'est le travail qui fait l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous enseigner. La Bible dit ceci. C'est en vain que vous vous levez tôt, en vain que vous dormez tard, et vous mangez les pains des douleurs. La dernière phrase m'intéresse. C'est que vous cherchez tôt le matin, 4 heures, 5 heures, vous ne dormez pas la nuit comme ici en Europe. La Bible dit ceci, Dieu en donne à ses enfants, pendant leur sommeil. Amen. Ça contredit le message. Ça fait quoi? Ça contredit. Ce que j'ai, puis-je encore le chercher? C'est une question. Ce que j'ai, puis-je encore le chercher? Parce que j'ai. Pendant que je dors, si je cherchais l'argent, pour payer, comme la fin de l'année, les cadeaux pour les enfants, pendant que je dormais, Dieu m'a déjà donné. Je ne peux plus chercher ça. Amen.
Je suis en train d'enseigner. Je veux voir tout le monde balancer la main comme ça. Dis-moi amen. Le mélange amène à bien. Pendant leur sommeil, ça veut dire, si tu cherchais une maison, pendant que tu dors, la Bible dit, Dieu t'a déjà donné. Est-ce que ce que tu cherches, ce que tu as, peux-tu encore chercher? La réponse est non. Mais pourquoi le travail? Selon Dieu, selon la pensée divine, c'est ce que je vous prêche ce matin. Le travail, c'est quoi? C'est un moyen que Dieu a mis en place pour réaliser, pour attirer à la manifestation ce qu'il nous a déjà donné dans les spirituels. Tu ne m'as pas encore saisi. Ta maison, Dieu te l'a déjà donné. Ton travail, Dieu te l'a déjà donné. L'épanouissement de l'église, ça a déjà été annoncé. Parce qu'il a dit, mon serviteur prospérera, il montera. Et il montera comment? Bien haut, ça veut dire. Pour ce que nous nous attendons, c'est déjà là. La Bible dit ceci. Pour ceux qui croient, nous sommes la tête et non la queue. J'ai une question à poser. D'une manière concrète, est-ce que tu es la tête? J'ai dit d'une manière concrète. Vous êtes la tête et non la queue. Mais est-ce d'une manière concrète? Vous êtes la tête? Ça devient comme un slogan. Amen. La Bible dit ceci. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas ceux qui cherchent mari-femme. Mais est-ce que concrètement, nous le sommes? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Concrètement, est-ce que nous avons cet argent comme on veut? Ça veut dire, ce que Dieu avait déjà mis en place dans le spirituel, c'est déjà là. Le problème, c'est quoi? Dieu t'établit afin d'attirer, afin d'amener à la matérialisation, ce qui a déjà été prévu, mais comment? Par le travail. Amen. Cette église, Bethel, en temps réel, doit être remplie et débordée. Amen. Cette église, en temps réel, ne peut pas avoir un seul culte. Le problème, c'est au niveau du travail pour que nous vivions ce que Dieu avait déjà prévu pour nous en ce lieu. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est même sous perfusion à cette heure-là. Amen. Je voudrais que tu fasses sortir ton amen de l'hôpital. Amen. Sors de l'hôpital. Amen. Le chrétien, les enfants de Dieu sont dans le bruit, sont dans les choses éphémères, permettez-moi, inutiles. Ils oublient que si Dieu t'a donné le souffle de vie, s'il t'a accordé la grâce, c'est pas pour les blabla, c'est pas pour les choses éphémères, c'est pas pour se frapper la poitrine. Dieu t'a placé là où tu es. C'est pour travailler. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand Dieu t'appelle, il t'a déjà tout donné. Mais comment vivre ce que Dieu te donne?
Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas non plus. Si tu ne travailles pas, tu prieras un Dieu des illusions. Je refuse na tongo na lelo au sambe la nzamba ba rêve inutile. Na boy na tongo na lelo au sambe la nzamba ba illusion. Betel na tongo na lelo tango ekoki ya mosala. Tango ekoki to sala mosala. Nzamba mbia zo lokumu. Oh, et tombe dans Zambé, tombe ma. Bon, moi, il a battu Bika. Bon, ma bain, a vu ce tombe ma. Ce n'est pas à cause de bruit, mais c'est le travail. Ferme le poing, lève la main droite, s'il te plaît. Répète après moi, je vais travailler. Je vais travailler. Amen. Le travail. Dieu n'est pas un homme. Quand tu viens dans cette église, tu ne viens pas chauffer les chaises. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Amen. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. À chacun de nous, vous le en français, vous le gangaille. À chacun, ça veut dire aucune personne au milieu de nous n'a pas reçu ça.